Ouais, tout se passe bien. Ben, pour l'instant, on a gagné tous nos matchs et c'est ce qu'on veut. Bon, il nous reste encore un match contre la Calédonie. Mais sinon, très fier de faire partie de cette équipe et de jouer ce tournoi. Déjà, les valeurs qui ressortent sur le terrain, on voit qu'ils sont respectueux, qu'ils sont humbles. Et c'est les valeurs que le coach Naya nous essaye de nous transmettre maintenant. Donc ouais, on essaye de respecter ça et toujours être supporter de cette équipe-là. Beaucoup de fierté, déjà jouer devant son public, c'est énorme. Et marquer aussi devant eux, c'est extraordinaire. Salem has just come on and looks like his first touch is the opening goal of the game for number 9. Salem for Tahiti. Tu as été dans les sélections U20, U17, je crois. Et je ne sais pas si tu étais dans la sélection A déjà. Pas encore, une fois. Est-ce que c'est différent d'être dans les Tiquitos que dans les autres sélections? Non, pas très différent parce qu'on retrouve toujours les mêmes joueurs. Hein. Donc ouais, on se connaît déjà au foot à 11. Et le but, c'est juste un plus. Et c'est top. Et est-ce que les Tiquitos peuvent y aller jusqu'au bout? Oui, ça, il n'y a pas de doute, ils nous ont prouvé ces 4 dernières années. D'arriver déjà en finale une fois de la Coupe du Monde, c'est magnifique. Et deux fois, ils l'ont fait, donc ouais, ils peuvent aller au bout. Direct approach for sure. Torahia, the long throw and perfect technique from Salem. Here's the second of the afternoon. Allez, quitte-toi, mon moteur. Pretty happy with his efforts. Great throw from Torahia, but just check the technique. Sits up beautifully, pops it up again, and well, it's magnificent to watch.